Alors. Normalement, ça aurait de bon son. Ok. C'est bon, enfin c'est bon. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Le son est revenu. Donc, ouais, il y avait en fait. J'ai dû activer un truc qui faisait que le son devait être audible aussi. Il y avait. C'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard aujourd'hui. Ce soir, je suis désolé. Quoi, 5 minutes. Mais c'était pour m'assurer en fait l'écho. En gros, je pouvais. Dans les options du son, il y avait une case écouter le micro, un truc comme ça, et c'était activé. Salut Yaya, bonsoir Yaya, comment ça va? Donc voilà, là ce soir, il n'y aura pas l'écho, il y aura même des petits trucs sympas. Je vous réserve une petite surprise, surtout pour Chaton, je crois que ça va faire plaisir à Chaton, et beaucoup de nostalgique aussi, je pense, la PlayStation. Peut-être que je vais vous en faire bénéficier de ces surprises ce soir. On verra. En tout cas, je me suis amusé à faire ça, à vous préparer ça. Si c'est pas ce soir, ce sera d'autres soirs, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce soir, c'est assez court puisque c'est deux jeux. Je vais vous présenter deux jeux ce soir. Et c'est un peu bof quand même. Je vais essayer de paramétrer un peu mon truc de façon à ce qu'on voit tout ça. Ok, bon, alors ce soir, deux jeux PS1. Alors j'ai encore oublié de te dire, il y a deux jours, ça fait 6 ou 7 mois que j'ai un petit chat. Elle avait 2 semaines quand on l'a eu. Oh, mais c'est mignon ça! Comment elle s'appelle? Oui, il s'appelle elle, donc c'est une chatte. Comment s'appelle-t-elle? Donc, ce soir, je vous présente deux jeux donc complètement différents. Je ne connaissais pas honnêtement ni l'un ni l'autre. Je ne connaissais pas quand je les ai achetés. Et c'est une découverte un peu pour moi. Après, je sais pas si j'ai vraiment matché. Pamuk, ça se prononce Pamuk. Pamuk, ok. D'où ce qui vient ce prénom-là, Pamuk. Donc ce soir, comme vous m'avez pas vraiment demandé. Donner de suggestions sur l'ordre des jeux, je vais faire par rapport au feeling parce que j'ai pas de notes, donc je peux pas faire en fonction des notes. Mon évaluation, franchement, l'un comme l'autre, j'ai pas plus de préférence. Honnêtement, il y en a peut-être un qui est plus rigolo que l'autre, donc j'ai pensé mettre le plus rigolo à la fin, mais pas forcément le moins bon. Donc voilà, on va commencer la soirée par ce petit jeu. Ops, et non, c'est Spec Ops, attention. Cover Assault. Spec Ops Cover Assault. Je vous présente Spec Ops Cover Assault. Spec Ops Cover Assault, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action, de tir. Donc j'irais plus à un FPS. Quoi. C'est le grand frère de Call of Duty dans la lignée des Medal of Honor qui était sorti sur cette plateforme-là. Pamuk en turc, ça veut dire coton. Et elle est toute douce comme du coton. D'accord. Et elle est blanche aussi, peut-être. Parce que ça serait le pompon. donc voilà, ouais, c'est pour en revenir au jeu. Donc c'est un jeu d'action. C'est vous. Bon, mérite bien son prénom. Vous l'avez bien nommé. Blanc-gris. Ça doit être beau ça. J'espère que t'en profites bien, qu'il fait pas trop de bêtises. Parce qu'à cet âge-là, c'est très virulent. Spec Ops, donc c'est un jeu FPS. C'est un peu FPS. Hein. Donc, moi, les jeux FPS, j'aime bien. Mais sur PS1, j'ai du mal parce que c'est pas le gameplay que vous avez sur PS3 et sur PS4. C'est un peu rigide. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. La difficulté aussi, c'était plus dur à l'époque, les jeux. Hein. Je t'envoie ça en photo privée, je t'ajoute un lien sur Discord. Ah ouais, puis j'ai pas réinstallé Discord. J'ai pas forcément. J'aurais eu le temps aujourd'hui, mais plein de contre-temps. La journée a vite passé, et du coup, j'ai pas fait ça. Quoi. Par contre, j'ai résolu le problème de son, ce qui était quand même important. Mais faut que je m'y mette un de ces quatre. Faudra que je me mette sur Discord et remettre tout ça, parce qu'au final, je suis pas du tout dans les réseaux sociaux en ce moment.
Bah soit tu... Ouais, puis t'as pas Facebook, t'as pas tout ça. T'as pas Instagram, Snapchat. Mais sinon, envoie-moi par Discord, hein, je suis toujours dessus, moi. Mais c'est juste que... Bah, je... Enfin voilà, ça fait un bac, j'y suis pas allé dessus. La preuve, c'est que les photos des jeux, d'habitude, je les mets... Enfin, les mois d'avant, je les avais publiées sur Discord. Bon, je voyais que ça faisait plus de réactivité. Ça faisait... Il n'y avait plus de réaction, pardon. Donc je dis, bon, pourquoi me casser la tête? Discord, c'est un peu la mort, donc je me suis dit, allez hop, bah tant pis, je partage sur d'autres réseaux, mais Snapchat, bon, bah ok, bah faut que tu m'ajoutes sur Snapchat alors. Sur Snapchat, ouais, j'ai l'application qui est installée. Donc voilà, c'est un jeu d'action de tir. Il a été développé par Runcraft. Alors ça, je sais pas du tout parce que j'ai cherché sur tout le disque, sur toute la jaquette, il n'y a pas. Par contre, il a bien été publié par Take-Two Interactive. Donc Take-Two Interactive, c'est même, ils aient même sur la boîte Take-Two Games. Mon Snapchat, c'est quoi? Alors attends, moi je connais pas. Je suis inscrit, mais je le connais pas par cœur. Alors, c'est quoi? Parce que j'ai pas l'habitude vraiment d'utiliser ça. Alors, mon compte Snap, c'est, je te l'écris dans le chat, ça va plus simple. Ah, oh, punaise, il me fait quoi lui? Alors, j'ai pas le droit d'écrire dans mon chat. Voilà, ah, qu'est-ce qu'il me fait? Je peux pas l'écrire dans le chat. Bon, attends, je vais t'envoyer en message privé parce que je peux pas écrire dans le chat. C'est dingue. Je peux pas écrire dans le... C'est incroyable comme je suis. C'est le chat de ma chaîne. C'est le chat de ma chaîne et je peux même pas écrire dedans, quoi. Arrêtez. En gros, tout le monde a droit d'écrire dans le chat de ma chaîne, sauf moi. Alors, mon compte. Alors, tu vas. Par contre, je vais pas forcément t'ajouter, parce que si je m'amuse à être si je m'amuse à être dans les réseaux sociaux, là, j'avance pas dans le jeu, dans l'émission. Donc, le but, c'est. J'avais pas mis un compte Snapchat d'ailleurs sur Twitch. J'ai pas mis de compte Snapchat sur Twitch. Voilà. Tu m'ajoutes puis je t'ajouterai, je t'accepterai à la fin de l'émission. Parce que là sinon je vais pas y arriver. Je vais pas savoir où est-ce que j'en suis. Donc il est sorti le 29 juin 2001 et il est jouable jusqu'à deux joueurs. Il y a deux joueurs qui peuvent. Qui peuvent qui alors je sais pas si on je sais pas du tout ce que c'est, puis j'ai pas de deuxième joueur avec moi, j'ai pas de deuxième manette non plus, sinon on aurait peut-être pu voir ce que c'est. Je vais regarder dans les menus sinon s'il n'y a pas des missions particulières à deux, si ça se trouve il y a du coopération ou du comment dire du défi, enfin voilà quoi. Donc ça c'est le premier jeu. Le deuxième jeu, attention les yeux, attention. Le deuxième jeu, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est sur la jaquette? Qui se trouve sur la jaquette? Comment elle s'appelle cette demoiselle, cette dame? Très connue. Elle est très connue. Donc, en attendant de vous donner la réponse, je vais vous parler du jeu. Le jeu ne porte pas le prénom de la personne. Il est écrit hein, sur la jaquette. Hein. Je sais pas si vous avez bien fait attention, si vous avez le temps de voir, c'est écrit sur la jaquette. Donc, il s'agit de VIP. VIP. Pour very important person ou people, je sais pas, peut-être. Toujours est-il que c'est un jeu qui d'action, de combat et de tir. Donc il fait plein de choses hein, lui. Hein. Il est très très ambitieux.
qui est sorti le 23 novembre 2001. Il a été développé par Callisto Entertainment. Alors ça c'est pareil, j'ai regardé hein, sur la boîte, sur la jaquette, il n'y a pas Callisto Entertainment. Je sais pas du tout. Si vraiment, on verra ça quand on lancera le jeu. Quand je lancerai le jeu. Ouh là, c'est dur là. Faut que j'apprenne à avaler ma salive. Et il a été publié par Ubisoft Entertainment, bien sûr, on le connaît bien. Donc Ubisoft, un très bon développeur à l'ère de la PS3, de la PS4, de la PS1, vraiment médiocre, pas bon. Et PS2, ça a commencé à venir, mais c'était un peu laborieux. Donc pourtant, on a bien le logo Ubisoft. Oui, c'est le même toujours. Ah non, il a changé maintenant. Il a changé le logo Ubisoft. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre, il est jouable en solo. Je sais pas, les textes et les voix en français, il n'y a rien indiqué. Il n'y a rien indiqué ni sur la boîte, ni, enfin que ce soit pour l'un comme pour l'autre. C'est pas indiqué du tout si c'est en français ou pas. C'est un jeu qui est fabriqué par des français, VIP quand même, Ubisoft c'est français. Ce que je peux vous dire en parlant de VIP, puisque c'est indiqué sur boîte, hein, c'est que c'est tiré d'une série télé. Voilà. Retrouver toute l'ambiance de la série télé, un mélange sulfureux de complot et d'action, un gameplay unique, réflexe et dextérité au rendez-vous, des jeux bonus pour encore plus de rythme dans l'aventure. Donc ça, franchement, quand je vois ce type de truc, ce type de description sur les jeux, franchement, je suis un peu sceptique parce que j'en ai vu des choses comme ça, surtout Midas, ils sont balèzes pour ça. Ils balancent, ah oh ouais, c'est super, des sensations réelles, c'était pour les jeux de bagnole et tout. Ah ouais, des sensations super, c'est. Ah non, ah, vous en coupez le souffle, alors au final, c'est pas chier. Mais bon, je vais en profiter hein, pour admirer la plasticité. Ou la plastique de cette jeune demoiselle. Vous n'avez pas deviné qui c'était, donc je vais vous dire qui c'est. Hein. Il s'agit de Pamela Anderson. Pamela Anderson, l'héroïne de Alerte à Malibu. Donc là, vous ne la retrouverez pas en maillot de bain rouge. Ça m'étonnerait fort. Peut-être qu'elle sera en maillot de bain, mais pas en rouge, ni avec sa petite bouée rouge hein, qu'on va courir sur le bord de la plage. Oui, ça m'a marqué. Je suis désolé. C'est ma génération. Mais bon, vous avez quand même, elle est pas en maillot de bain, mais une tenue plutôt bien sympa. Vous la voyez un petit peu, ouais, évidemment. Eh, vous voyez, hein, elle est pas là. Je sais pas si je peux vous montrer un peu. Elle fait bien montrer ses cuisseaux. Hein. Donc c'était vraiment l'époque où elle était encore belle. Je pense qu'aujourd'hui, elle a un petit peu vieilli, hein, parce que c'est un jeu qui est sorti comme en 2001. Ce que je disais tout à l'heure. Sorti en 2001, donc oui, ça fait 19 ans. Elle a ouais, j'ai entendu un bip bip, donc ouais, j'ai bien, je pense que c'est toi, parce que je reçois pas souvent des choses sur Snapchat. Donc je te, eh bien, écoute, je fais ça, je t'ajoute après le live, c'est, vu qu'il y aura la notif avant de couper mon téléphone, je ferai ça. Voilà. Bon, j'espère que le programme vous plaît. Si c'est pas le cas, je suis désolé. Je me rattraperai la semaine prochaine. Ou pas. Le mois prochain, sûr. Je vous réserve des jeux sympas le mois prochain. Allez, on va passer à l'action maintenant. Tac. Avec des frissons. Avec des frissons, deux petits frissons. Oh la vache. Des frissons et des frissons. En veux-tu, en voilà. Allez, on commence par Spec Ops. Alors, Spec Ops, j'avais pas la notice malheureusement. Le site où maintenant j'ai changé de fournisseur de jeux vidéo. Le site où j'achète mes jeux, les jeux sont en meilleure qualité. Par contre, des fois ils sont pas complets. Enfin, pas complets, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas les notices des fois. C'est l'inconvénient. C'est pas indiqué quand j'achète le jeu avec les notices, alors que l'autre vendeur. C'était plus cher, mais il indiquait s'il y avait la notice ou pas. Donc là, bon, c'est une chance sur deux, quoi. Donc là, Spec Ops, il n'y a pas la notice, donc au niveau des touches, ça va être compliqué.
Alors c'est pareil, si ça bip, j'ai changé la PS1. Bon, la petite fonctionne bien, là c'est la PlayStation d'origine. Là, ça fait plus d'un an que je l'ai, mais elle a quasiment pas tourné. Et pas pendant plus d'un an, elle a pas tourné, c'est sûr. Et je sais pas si elle fonctionne bien ou pas. Donc on verra. Bon, je la mets sur à l'essai. La vidéo que j'ai balancée là sur YouTube, parce que oui, j'en ai encore mis des vidéos sur YouTube. Eh bien, il y avait Tomb Raider. Eh ben, ça a l'air. Donc en français, donc ouais, déjà on a le choix de la langue française, c'est cool. Je vais mettre moins force. Ah, ça va être bien. Ok, juste vérifier que le son des écrits est ok. C'est parfait. Ah, aucune carte mémoire. Ah, autant pour moi. Attends, je vais aller chercher. Oh, bah tiens, il est tombé. Hop. Ah, bah non, c'est pas celle-là que j'arrive. Ah, bah, une deuxième, mais c'est pas la bonne, c'est les autres. Ça va. Alors, on va remettre une carte mémoire. Avec un. 1000 kilos de bits. Aucune carte mémoire. Ah si si. Aujourd'hui j'avais 631 notifs YouTube. Je vais essayer de pas les ouvrir. Pourquoi tu fais ça? Alors démarrage partie de joueur. Ah ouais, donc en fait partie de joueur unique, partie de joueur rapide, joueur unique rapide de joueur. Donc j'ai l'impression qu'on pouvait faire partie joueur unique, je sais pas ce que c'est. Bah t'as un record de quoi? Bon, je vais aller dans les options. Difficulté. Oh. Soldat. Je mets en soldat. Volume effet. Je vais mettre moins fort. Ok, régler position écran, non. Accepter par petit. Mais ça va donner quoi ce record? Je vais faire démarrage rapide de joueur unique, je sais pas ce que c'est, partie joueur unique, je sais pas ce que c'est. Le record d'avoir le plus de notifs YouTube. Ouais, mais c'est bien ça, mais c'est quoi le record? Là, en ce moment, tu sais c'est quoi le record des notifs hein? Après, je sais pas ce que ça va donner. Bon, alors vous avez vu. C'est franchement magnifique. Alors. Donc quand je fais, en gros, vous voyez le... Ah, c'est ça qui est... Est-ce que je peux faire? Non. En gros, le joystick droit qui sert habituellement à la caméra, il sert à changer de bonhomme. Ou à choisir l'objectif, à se rappeler l'objectif de la mission. Si je fais bas, c'est pour tirer. Et là, je sais pas ce qu'il fait. Oh, casse-toi! On va se faire repérer! Ah, y a pas de sang! Ah, c'est même pas réel, y a même pas de sang. Oh la vache. Bon, bah, je suis mort. Hein. Je vais prendre mon temps hein, pour les découvrir, ce jeu-là. Mission 1. Hein, alors, ennemi tué au combat 0. Ranger tué au combat 2. Nombre de coups tirés 3. Nombre de tirs sur cible 0. Durée de fiction 1 minute. Ah, bah, oh la vache. Enregistrer la partie. Oh non, ce ne sera pas la peine. Je pense qu'on peut pas faire pire. Bah, c'est plus réel, ouais. Carrément.
Ah, le M4. Ah, j'ai fait quoi? Fantassin. Oh les chi les. Bah j'accepte la mission. Normalement je vais recommencer au début. Martini mitrailleur. Bah c'est parfait. Ah faut faire deux rangers. On va mettre un sniper. Ah pour démarrer la mission il faut faire ça. Ok. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Espèce parce que j'ai fait démarrage rapide. Allez. Donc nous voici là. Donc triangle. Punaise mais. Casse-toi, mais non. Y a pas R. Oh merde. Y a pas moyen de zoomer là. Punaise, mais pourquoi il fait ça? Il est con! Merde, je peux pas l'annuler là! C'est débile. Je voudrais zoomer. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait pour zoomer. Bon. Il y a bien un moyen pour zoomer, je sais pas c'est quoi. Et comme j'ai pas les touches. Ouais, attendez, je suis en train de me faire flinguer là. Ouais. Je comprends pas ce qu'il faut faire. L'autre fois, j'avais réussi à zoomer et je comprends pas. Puis ouais, sans la notice, bazar, pourquoi il n'y a pas la notice, quoi? Je sais pas si elle y est sur internet, c'est ce qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait ça. Bon, il y a plus de chiffres, hein, déjà. Mais ouais, il faudrait avoir, comment dire, un site où il y a tous les notices. L'époque de Kevin, j'ai eu un jouet World of Warcraft. Merci maman, merci papa. Notre époque maintenant, mais je veux pas la PS. Ah, j'ai jamais eu de jouet World of Warcraft. Bah, moi, c'était la PS2. Non, même pas la PS2. Donc, la dernière console que mes parents m'ont offert, c'était la PS1. Parce que le Game Boy Advance, c'est moi qui l'avais acheté. Soit c'est la PS1, soit c'est le Game Boy Advance. C'est parti pour le monde. Ouais, la PS1, moi c'était la PS1. Mais bon, ils étaient pas. Et le pire, c'est que c'est de la faute un peu à mes parents.
si j'aime les jeux vidéo aujourd'hui. Ah ouais, mais bon. Je suis un vieux. Mais ouais, c'est de la faute. C'est un peu. Ouais, c'est un peu la faute à mon père au final. Qui a décidé de m'offrir à Noël, alors que j'étais encore un enfant, une Nintendo. La toute première console. Moi, je voulais pas forcément de jeux vidéo. Et voilà, c'est tout. J'avais ouvert mon papa Noël. Qu'est-ce qu'il y a de déballé? Une Nintendo. C'est quoi ça? J'avais rien demandé. Et je savais pas que c'est le truc qui allait le plus servir dans mes cadeaux, quoi. À cette époque-là, je connaissais pas le jeu vidéo. Bon. Ok. Oh mais... En fait, si je fais triangle... Mais normalement, je devrais pouvoir viser ça, je crois. Ah! Ok, c'est bon. Vous allez voir mes super talents de sniper. Wow, magnifique! One shot! Ok. Ouh, mais c'est que je suis bon là! Après, je connaissais là, je l'avais déjà testé. J'étais allé jusque là, il y avait le bâtiment là. Salut Mathéo! Bonsoir Mathéo! Oh. Merde. Ok. Wesh. Ça va très bien et toi? Comment ça va, Mathéo? Il est mort! Il est pas beau le jeu là! Tranquille! Toujours sur Formula One avec le volant? Ah, il est magnifique, hein. C'est un magnifique jeu. Et c'est la PS1, hein. À côté. C'est Par contre, je commence à être fatigué là. Alors, en plus, sans les. Sans les, comment dire, les la notice, je peux pas savoir les touches. Il y a des combinaisons. Il y a des combinaisons de touches.
Sinon, Bob, je suis plus sur Dragon Ball Z, je reprends là. Ah! C'est quoi les. Le Dragon Ball Z sur PS4? C'est pareil, moi je suis en mode manga en ce moment. Enfin, toujours, j'ai toujours été en mode manga, tu me diras. Vous me direz. Bon bah je suis allé un peu plus loin. J'ai pas réussi à faire la seule mission, c'est pas possible, non. Non, je veux pas enregistrer, non. PS4 Dragon Ball Xenoverse 2, puis je m'achèterai des BZ Kakarot. Ah bah le Xenoverse 2 je l'ai. Et le Kakarot aussi, mais j'ai pas test encore. J'ai l'impression qu'il y en a moins là des... Il y a moins de rangers. Un live manga, mais comment veux-tu? Je peux plus jouer en ligne, hein, mon cher Mathéo, tu sais. J'ai plus l'abonnement. Puis j'ai cherché ce week-end avec Chaton. On a regardé, comment dire... C'est pas ça. En mode histoire. Bah ouais, faudrait que je le fasse. Le Xenoverse 2, j'avais fait un live dessus, hein, tu te rappelles? Non, tu te rappelles plus. J'avais fait un game de week-end là-dessus. Je sais pas ce qu'il faut faire. Pour avoir le zoom. C'est vraiment... Tantôt ? Bah on est le soir. T'es pas en Belgique en ce moment, hein, Mathéo ? Tu voulais dire à tout à l'heure ? Moi je pense que je vais changer là, parce que franchement je le trouve... C'est médiocre. En plus de ça, j'ai pas les touches. J'ai pas les touches. Franchement, j'aurais eu la notice comme par hasard. C'est là où j'avais le plus besoin de la notice. Je vais ramener les touches, sinon je change de jeu. Parce que... Option. Commande. Ah, manette un joueur. Start. Ok, touche select. Ok, commander équipier. Choisir équipe pour changer position. R2, haut et bas. Roulade. Donc c'est R2. Bon, tiens, j'ai compris. Donc en fait c'est R2 et haut ou bas. Pour changer la position. L1 sniper. Ah, le L1 c'est sniper. Donc ouais, si j'ai pas, je peux pas. Je vais voir. Et je suis en mode soldat quand même. En mode facile. On va mettre démarrage rapide, je réessaye une fois, puis après je change de jeu, hein, ça sert à rien, mais... Ah ouais, mais t'as fait seulement un live sur DB... Non, j'ai Dragon Ball FighterZ, mais avant j'avais fait aussi un Dragon... Non, après, je sais plus, j'ai fait un Dragon Ball Xenoverse 2.
J'ai Dragon Ball Xenoverse, Xenoverse 2 et Fighter Z. Donc je peux pas, en fait, je peux pas faire le snipe parce que j'ai pas le full snipe. Dans la collection de tes vidéos Twitch, tu l'as classé dans tes vidéos Game du Week-end seulement? Non, non, tout Game du Week-end, j'ai fait que du Game du Week-end. Salut Team Nev, bonsoir. J'aimerais bien savoir comment soigner mon perso. Boîte de munitions, ok. Ok. Est-ce que je peux aller dans la flotte? Non, il peut pas, il est comme les chats, il meurt dans l'eau, c'est dingue. Oh là là, je vais changer de jeu parce que là. J'ai changé parce que là c'est. Le pauvre il s'est noyé. Je vais être obligé d'y aller bourrin. C'est la guerre! Kamikaze! Voilà, je suis mort. Bon bah je suis mort et de toute façon je vais mourir et c'est sur cette mort là que j'ai changé de jeu. Parce que franchement, il est pas marrant hein. Je crois qu'il mérite vraiment sa place de premier. L'autre je pense qu'il va être un peu mieux. En tout cas il va être plus rigolo l'autre. C'est dommage. Il était jouable mais graphiquement il est dégueulasse. En plus de ça il est pas, enfin non, il est pas jouable. Je suis désolé, il est pas jouable. En fait. Au niveau des configurations de touches, c'est à chier. Non, je ne sauvegarde pas. Je ne sauvegarde pas. Non, je ne sauvegarde pas. Non, je ne sauvegarde pas. Oui, je confirme que je ne sauvegarde pas. Comment ça va, Team Nev? Bon, on passe. Allez. Wouah. Ah. Bon bah elle fonctionne bien la PlayStation 1 quoi. Bah, celui-là je suis pas prêt d'y rejouer. Je sais pas pourquoi. Après les jeux PS1 sont bien mais sont trop durs. Ça aussi c'est ça le problème. La difficulté des jeux PS1 c'est une folie. Ouais. Alors on va aller... on sort... Mais pas la table. Hop. Bon, j'ai fait un bon petit gameplay quand même dessus. Une demi-heure, comme je vous avais dit, je crois. Une demi-heure. Et on va finir par VIP. Anglais, maintenant on va mettre français. Appuyez sur le touch start. Waouh, attendez. Frisson.
Frisson chaton. Frisson. Frisson chaton. Alors, ça déchire, hein, t'as vu, j'ai paramétré ça juste avant, et en plus de ça, il n'y a plus l'écho de ma voix, vous vous rendez compte? Ça va, je me lève tôt demain, donc je suis au lit en train de regarder ton stream, là, bah c'est cool, bah ça a pas duré longtemps. Donc ouais, ça marche, elle déchire. J'ai configuré une touche avec ce son, du coup je suis pas obligé de passer par le truc et tout. Mais ouais, nickel, ouais carrément. Et là, je vais pouvoir le mettre plein, et je vais m'en donner à cœur joie. Et même quand ce sera... Même quand je ferai un live de Xbox, je ferai des frissons. C'est obligé. C'est obligé. Alors voilà, appuyez sur le touche start. C'est un jeu qui est quand même développé par un studio français. J'ai mis en mode en le langage français. Bah non, ils sont foutus de dire le touche. Nouveau jeu. Non, nouvel jeu. Un nouvel jeu, des nouveaux jeux. Comment ça va, chaton? Allô? VIP, good morning. Non, mais attends, c'est en français. C'est en français? Non, mais allô? C'est en français? Bien, nickel. Ça va, la journée. Ouais, c'est vrai qu'il était qui travaillait. Ça se passe bien. Are you calling from your clinic or your estate? Both. Please, hurry. I need Valerie Irons. Your clinic is on your estate? What is this? 20 questions? Don't worry, sir. We're on the way. Val will personally protect you. We better wait for Tasha, Quick and Johnny to back us up. Ouais, tranquille. Not enough time. It's just you and me, Nick. On va croiser les doigts demain. En fin de matinée, faudra croiser les doigts pour moi. Parce que j'ai un rendez-vous important. C'est pour ça que je me suis coupé les cheveux et rasé. J'ai un rendez-vous important pour du travail. Donc j'espère que ce sera le dernier, comme je disais à certaines personnes. Ce sera la dernière fois que je vais avoir ce type de rendez-vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Oh, salut! Suivez les instructions et appuyez sur les boutons correspondants pour vaincre vos ennemis. Oh, la musique de ouf! Oh, le QTE, quoi! Oh, mais c'est un QTE film, ça! Ah ouais, bah j'espère aussi. Ah, franchement, j'attends que ça. J'en ai tellement marre. Donc là, ouais, j'en ai marre. Oh, coup de sac. Oh, je vois que c'est super dur. La classe à Dallas, mais carrément. Ouais, on va tout craser les doigts. Ouais. Bon, ça, bah, d'un côté, c'est pas plus mal que le jeu soit bof ce soir. Pour pas s'attarder... Appuyez sur les touches directionnelles pour déplacer le curseur et sur le bouton croix ou la touche croix pour tirer. Appuyez sur rond pour recharger, maintenez R1 enfoncé pour augmenter. Augmenter quoi? La vitesse. Ah, je suis mûr. Ah ouais. Allez, vous avez vu comment elle écarte les jambes quand même. Aïe. Donc ouais, je disais tout à l'heure, c'était tiré d'une série télé. Et je sais pas, est-ce que quelqu'un connaissait cette série VIP avant?
Allez. Aïe. Oh. Oh, les deux. Double KO. J'aurais dû avoir un trophée là. Ah, c'est super compliqué. Je pense que c'était peut-être un truc pour les nanas, ça. Hein. Et encore, je sais pas si les nanas auraient vu. Ah, y'a plus de pile. Donc ouais, pareil, ces thèmes crisis sont beaucoup. Ouais, puis y a pas le flingue sur tout. Le thème crisis, y'a le flingue. J'en ai un flingue. J'en avais acheté un flingue. Mais là, ouais. Ouais, je disais, du coup, chaton, tu sais que je t'avais parlé ce week-end d'un jeu Naruto sur Xbox 360 qui était pas sorti sur PS3. J'ai des infos là-dessus. Ouais, donc en fait, c'est un jeu qui est pas édité par Namco Bandai. Il est édité par Ubisoft. Et en fait, c'est la suite d'un autre jeu qui est sorti sur. Ah mais c'est facile hein, il est pas si compliqué que ça. Mais du coup c'est ouais, c'était la suite d'un jeu qui était sorti sur Xbox. Et bon, le je crois qu'il était combien, il était à 6 ou 8 euros, je sais pas à combien il était. Et bah du coup j'ai pris les deux, comme il me restait des points j'ai avec l'autre. Le site m'avait pas j'avais renvoyé des jeux qui étaient pas conformes. Et bah avec les points je me suis récupéré l'autre. Du coup j'ai les deux. Ouais, je pourrais te donner un petit avant-goût, mais c'est pas le jeu ouais Namco déjà, c'est autre chose. Apparemment on peut se balader dans Konoha, donc c'est cool. Et c'est dommage qu'ils aient pas. Pourquoi, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça sur pourquoi ils ont pas fait ça sur sur PS3 quoi. Je comprends pas. Ils avaient pitié de la Xbox peut-être. Ouais, c'est ça, bah c'est la fête foraine. Ouais. Tling. Eh, c'est quand est-ce que j'ai gagné la pluche, le grand nounours? Ouais, enfin, c'est bizarre quand même, parce que c'est Ubisoft quand même. Hein. Et comme ça, c'est vrai qu'il y a des jeux comme Naruto. Comment dire, le Naruto Chronicle, là, je connaissais pas non plus, toi non plus, tu connaissais pas sur PS2. Et pareil, il est sorti que. Il est pas sorti sur Xbox, hein. Il est sorti vraiment sur PS2. Ouais. Comme sur PSP. C'est bon, elle a fini là? Ah. Il y a même pas la table qui vient de passer. Pas mais la table. Mais Ah, mais carrément, c'est trop magnifique. Hop, un petit QTE. Voilà, trop facile. Eh, un coup de sac. Ça fait, c'est fatal un coup de sac, hein, vous avez vu? Ça fait un peu. Mince. Ah, mince. Ah, je sais plus. Bust Groove. C'est Bust Groove. Ouais. C'est ça le jeu, c'est que ça?
Bah au moins je meurs pas. Quelle magnifique musique! Ouais, c'est un peu répétitif hein, quand même. Ouais, il y a des briques. Bah ouais, je pense que ouais, c'est pour ça que ça les assomme. Mais non, mais c'est répétitif ça, faut arrêter. C'est chiant. Aïe. C'est ça. Bah oui, mais c'est ça les trucs zones qui rentrent là quand je tiens un mec. Ah merde. Aïe. Je vais y mourir. Power up. Ouais, c'est un... Bah c'est un... Un street pammer. Non, je cherchais un jeu de mauvais truc. Ouais. C'est un street footer. Appuie rapidement et continuellement sur croix. Oh non. Non, mais non, mais c'est un peu nul. C'est ça les jeux. Même la poitrine, celle de Lara, elle est plus belle que ça. Vous avez vu l'état de la poitrine, elle est bien pixelisée. Ils ont essayé de l'arrondir, mais... Allez, c'est comme ça. Un petit frisson. C'est mieux que c'est... Aïe. Ouais, frisson, bah je on donne à cœur joueur. Ouais, non, mais attends, faut bien compenser, les jeux sont vraiment pas terribles. Et ça, c'était dans les... N'empêche, quand je les ai achetés, ces jeux-là, quand je les ai commandés, c'était dans les jeux les plus populaires. J'ai pas compris, hein. J'ai merde. Ouais, bah punaise. Ah bah oui, c'est normal, j'ai remis la même musique, mais si tu veux, c'est carrément, bah, j'active le bouton qui le lance, quoi. J'ai un bouton qui le lance et qui coupe. Voilà. Et dès que j'appuie sur ce bouton-là, par contre, si je m'amuse à taper bah, quelque chose, à faire une recherche sur Internet et que OBS est lancé, bah, il va vous balancer ça. Buffy Chaos Bleed. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais là, il y a pas... C'est... Ah, c'est à moitié des zombies, les mecs, à remarque. Ils ont des lunettes, je suis sûr que... Il n'y a pas le soleil. J'ai pas de vie. Ah si, énergie, hup. Par contre, je peux même pas déplacer le personnage, quoi. C'est chiant. C'est juste du presse-bouton, quoi. Comme à l'usine. Du presse-bouton. Alors, c'est chiant, je déplace même pas mon personnage, en fait. C'est comme un... En gros, c'est comme un rail shooter. C'est ni plus ni moins ça. Ouais, j'ai fini le niveau. Ouais, c'est dingue.
J'ai terminé le niveau, eh ouais. Précision 88%. Wow. Votre classement B. Ah, c'est pas la c'est pas les mensurations, hein. Merci, chaton. La brune se bat bien, j'aime bien ces combos. Bah, c'est la même chose au final. Spécial. On va vers spécial. Photo, film. Oh! Ouais, on va acheter, on a de l'argent. C'est tout? Je crois que c'était des photos de la série. Donc en fait, ouais, c'est une série. Je peux pas la revendre. Film. Non. J'en ai assez vu. La photo a parlé d'elle-même. Sauvegarder la partie. On va sauvegarder. Fente pour la memory card. Vide. Ouais, c'est cool. J'espère que je vous donne envie de jouer à ce jeu. Continue. Allez. C'est bleu. Bon, bah c'est toujours la même chose, hein. Punaise, mais non, mais c'est que ça. Mais c'est un jeu pour les enfants, ça. Même ma fille, elle s'ennuierait à jouer à ça. Je sais, nul. C'est un jeu pour les enfants. C'est quoi ce jeu? Mais c'est tout le temps la même chose. Pour moi, c'est pas compliqué, hein. Donc faut admirer les décors, en gros c'est ça. C'est juste pour admirer les décors. Ah, on change de décor. N'empêche, c'est vrai qu'il doit y avoir des. Il doit y avoir de, pas mal de lingots dans ce sac. Et le sac il va finir par casser même au bout d'un moment. J'ai essayé tout à l'heure une démo de Tombi. Est-ce que vous connaissez, ça vous rappelle quelque chose, le jeu Tombi? Non, c'est un jeu de plateforme où tu dois désinguer des petits cochons. Mais ce jeu est tout bonnement super. Moi j'ai bien aimé quand j'y avais joué en 98 à cette démo. Et là j'ai eu une démo avec le jeu de Raider. J'étais super content de pouvoir y jouer, mais le jeu, même d'occasion, il vaut super cher, quoi. Il vaut facile 40 balles. Mais oui, c'est ça, bah, ils attendent que ça. Ton avis. Et moi j'attends que l'IA arrive pour la frapper. C'est un peu mou en fait. Toujours la même musique. Mais ouais, Tombi, si un jour je pouvais l'avoir ce jeu, ce serait vraiment un plaisir de. C'est comme Clonoa, c'est vraiment des jeux que j'aimerais avoir sur PS1, mais ils valent une blinde, quoi, les gens. J'ai déjà la chance d'avoir les Crash Bandicoot, hein, jusqu'au CTR. Si je pouvais avoir les autres, il faudrait que je regarde sur le site. Sur mon site, j'ai pas regardé. Mais c'est sûr, il va coûter minimum. À 20 balles à la rigueur, je l'achèterai.
souvent c'est ouais, c'est 50 balles. Minimum. Ouais, 40 balles minimum. Et on les voit aux alentours de 50. C'est devenu un. C'est devenu une niche hein, le rétro. Faut pas croire. Toujours pareil. C'est un peu chiant. Limite la phase de tir au pistolet c'est mieux que ça. Ah ouais, bah je vais le recevoir vendredi. Je devais le recevoir demain, mais comme je suis pas là, juste le moment de l'entretien, et ça arrive au moment où le facteur arrivera, donc j'ai demandé à me faire livrer vendredi. Donc ouais, je vais avoir ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Bah mon jeu, ouais, Naruto, mais pas le Naruto sur PSP. Bah le Resident Evil 5 sur Xbox 360. Que je l'ai sur PS3, mais je l'ai pas sur 360. Ce sera un plaisir de pouvoir y rejouer. Qu'est-ce que j'avais pris comme PS2 aussi? Onimusha. Et j'avais un autre jeu PS2, je crois que j'avais pris. Ah bah Final Fantasy. Le Final Fantasy, chaton. Aussi. Bah, il est con quoi. Ouais, c'est un peu. Non. Non, j'ai pas continué. Mais après, j'y joue qu'une fois pour tester. Hein. Là, pour l'instant, sur Xbox, je suis toujours sur Forza. Quoi. Et j'y joue que le samedi matin, donc. Et les autres jours, je joue à autre chose. Quoi. Bah j'ai fait rond, punaise il est con quoi. Bah il est con quoi. Faut aller plus vite là j'ai l'impression. Mais ouais, tous ces petits trucs là, c'est vrai que j'avais pris des bons jeux quand même. J'ai pas pris beaucoup de choses, mais merde, le Métrion. Mais il est con quoi, punaise. Bah allez-y hein. Ah punaise. C'est un peu chiant. Entre une arme à feu ou un sac à main, prends le sac à main, c'est plus haut. Mais c'est clair, le sac à main, ça tue plus de gens qu'un flingue, quoi, c'est clair. C'est l'instant, genre, arrivé à un moment, il faut bien que la difficulté augmente. Hein. Ouais, mais bon, c'est le principe, quoi. Faire que ça, que du QTE, c'est chiant, quoi. C'est un jeu de QTE, quoi, et à un moment donné, on en a plein le QTE. Allez, hop, puisque c'est comme ça.
frisson, chaton. Et ouais, ça c'est bon ça. Clac. Ouais, non, c'est trop cool, ça fait... Ah, ça fait bien. Ça nous réconforte, en fait, je sais pas, moi, je... Mais vous l'entendez, moi, je l'entends pas, malheureusement, je l'entends que... Mais c'est vrai que là, par contre, vous allez l'entendre, parce que j'ai... En gros, j'ai regardé des sessions Retour vers le rétro, et bah, surtout sur YouTube, il doit se dire, mais il est trop con, ce mec-là, il arrête pas de dire frisson chaton, mais on voit le logo jaune, enfin, le logo blanc, qui a des dons, qui arrivait, mais on n'entendait pas de la musique. Ah, enfin. Donc là, bah j'ai, ouais. Ah bah c'est un, ouais, c'est un excellent entraînement au cutter. N'empêche, en écartant les jambes, elle vise mieux. Le retour à la fête foraine avec la... Non mais je trouve que c'est mieux en fait. C'est moins chiant que les QTR. Mais ouais, c'est répétitif comme jeu. J'aurai de l'heure, mais je pense qu'après le niveau j'arrête. C'est pensé au lapin crétin. Pas de skull. J'avais fait un truc de lapin crétin ou quoi. Sur Wii U. Non, Wii. Allez. Ouais, le mois prochain en PS1, il y aura mieux. Ça, je vous le promets. Il y aura mieux le mois prochain. Ça, c'est sûr. Faudra s'attendre à... Ouais, faut... Oh, retour des QTE. Mais non, mais merde. Et la fameuse musique agaçante, mais c'est pas possible. Oh la vache. Mais c'est pas possible. Ah, ah, punaise. C'est les trucs cérébraux là, les jeux de réflexe. Vous allez voir, mon cerveau il va être meilleur, il va être plus réactif après ça. C'est l'entraînement cérébral du professeur Kirishima. C'est ça, hein. Et encore des coups de sac. Des coups de sac. Ouais, ouais, c'est professeur Kirishima, bah c'est lui. Valerie Iyer, you made it. It's nice to meet you. C'est la fin du jeu. Non, c'est pas la fin. Hurry up, we've got company. We'll sneak out the back. Okay, it's safe.
Voilà, il y a un sniper. Prends. Bon, je crois que c'est la fin du niveau, je vais m'arrêter. C'est la fin du niveau, j'arrête. Ah non. Aïe. D'accord, ok. C'est quoi ce truc de fou? Ah la vache, mais c'est vachement bien foutu! Ouais, c'est un boss. Bah, il l'a dans le cul. Bon. Je pense qu'on va arrêter les frais hein, là-dessus. C'est vraiment un petit live hein, au final. J'en reviens pas. Mais j'ai fait plus de. J'ai fait plus de 20 minutes quand même à chaque jeu. Mais ouais. C'est vraiment pas ouf, ce soir c'était vraiment pas ouf. On sauvera la partie mais bon. Bon vous voyez les bonnes cuisses à Pamela, pas mais la table. Mais pas la table. Ouais j'ai fait 20 minutes là, ça fait combien? 25 minutes de jeu. 25 minutes de jeu, voilà, 25 minutes. Parfait. Avec les cinématiques, ça fait une demi-heure. Est-ce que je peux faire? Non, je peux pas. Spécial photo. Wow! Vous avez vu, hein, y a des nouvelles photos qui apparaissent, mais je les vois à travers. Hein, c'est débile. Ça sert à ça, juste plutôt. Juste regarder là. Oui. On va voir vite fait, c'est quoi? Ah bah c'est l'intro du début ça. VIP. Bon, on passe, hein. On a déjà vu. Ouais, retour. Il n'y a pas retour, il n'y a que continuer, mais bon. Don't fall back here, okay? There are men all around the perimeter. How'd they get the 411 on us so fast? How many bombshell bodyguards do you know? We gotta hide the client, and I know where. I'll throw in a distraction. Tasha, slip out and join Nikki. We're going to Venice Beach. I'll try to lead them north. Kay, can you jam their communications? Well, if they're using repeater phones, I'll flood the frequency with 4,000 ohms of... Kay, just make it happen. Ouais, ok, d'accord. Non, mais là, vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est la fin du jeu, là. Enfin, c'est la fin. C'est la fin du test. Parce que là... C'est une nouvelle, ça? Non, c'est l'infiltration, vous avez vu? Ah, je vous montre l'infiltration. La phase d'infiltration. Oh la vache! Bonsoir Ninou! Oh la filtration de malade! Quelle phase d'action phénoménale! Oh non, j'ai perdu 1000 points! Quel est donc ce jeu horriblement laid? C'est VIP! Je ne connais pas VIP! La roulade de l'infiltration, mais ouais, carrément. Non, mais là, elle a voulu se la jouer à la Metal Gear, mais elle a pas réussi, quoi. Wow, vas-y, y a pas de caméra, tu peux y aller, y a qu'un seul mec. Vas-y, hop, coucou. Oh la vache. Oh punaise. Non, en fait, il fallait que je vous montre ça, quoi. C'est de la roulade, mais effectivement, c'est de la roulade, c'est de la bonne roulade. Non mais c'est un peu mou. Comment ça va Ninou? Enfin, ce soir c'était pas la bonne émission, honnêtement. Enfin c'est pas la bonne. Elles sont bien ces émissions, heureusement que je suis là peut-être pour le niveau. Mais honnêtement là c'est... Non. Non, c'est pas ça du tout.
Ah bah ouais, non mais carrément. Hein. Je dis, même Metal Gear, il fait pas mieux. Mais ouais, non, les jeux de ce soir, il y avait mieux. Quoi. Genre, elle pourrait faire deux sapins, là. Pourquoi elle fait pas deux? Ouais, c'est rigolo. Bah tiens, si tu veux, hein, c'est VIP sur PS1. Starring Pamela Anderson, que tu dois connaître, je pense. Hein, tout le monde la connaît. Mais voilà, c'est un jeu de QTE avec un jeu de tir, et puis voilà, c'est tout. Donc là, on est en mode QTE. Hop, QTE. Bah, je crois qu'il est... Il est pas encore fait, quoi. Ils n'ont pas encore formé le carton, donc elle peut pas se planquer dedans. Ah, puis la musique. Oup là, allez. Évidemment. Pouf. Hop, on va le voir sortir, non? Voilà. Mais non, mais j'appuie sur la touche bas. Oh là 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 là. Mais pourquoi elle fait pas plus? Moi, je me serais planqué derrière l'arbre ou je sais pas. Elle avait le temps, quoi. Mais non. Ah, elle pourrait aller plus loin là. Pourquoi elle va pas plus loin là? Elle a peur. Bah, c'est sûr, si elle court en talon, elle anticipe la chute. C'est un peu long, hein. C'est un peu chiant. Mais c'est pas ça, c'est pas la bonne touche, t'es obligé d'attendre en plus, c'est pas la bonne touche, tu dois attendre encore quelques secondes. Quoi, ouais, on doit faire une seule fois, un essai à chaque fois que ça. Ah, ça va être bas. Pourquoi on nous a pas laissé la faire de même façon? What's the status, Kay? I'm working on it. Give me another minute. Yeah, where you are. Appuyez sur les touches haut et bas pour placer l'onde rouge. C'est quoi cette connerie? Oh.
Ah, mais c'est relou. Ouais, c'est hacking là. Bah, je sais pas si c'est un mini-jeu, mais c'est un truc bien, bien pas marrant quoi. Ouais, il y a un timer aussi. Bah oui, attends. Parfois la bête, hein. Non, mais ça va être bon. Et c'est chiant. Là, elle a eu le temps de se faire pincer par les mecs. C'est faire le cycle complet, quoi. Voilà, enfin! Ouf! Mission accomplie. Bah ouais. Bah ça change des QTE, hein. Mission accomplished. Communications breakdown. Quick. I'm leading them north. J'ai jamais été aussi loin dans ce jeu-là, hein. Merde! Je pensais que c'était la fin du niveau, moi. Et on recommence les QTE. Ah, merde. Tu dois être de touche. Chou. Parce qu'elle a fini. Ouais, merde. Ça commence à être trop entêtant en mode automne. Ok, ça marche. Bah, merci. Merci. Tu m'as dépassé. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter après. C'est. Mais ouais, bonne soirée à toi et bon courage à toi. J'aimerais bien finir ce truc. Finir le niveau, c'est pas mal. Il y a quand même des traces de sang sur le sol. Hein. Ça c'est bien. Il y a du sang. Mais quand est-ce qu'ils vont me lâcher les baskets? Mais ils respawnent à chaque fois ou quoi là? Allez là! Bah, évidemment. C'est vraiment le truc qui tarde dans la durée, quoi. C'est bon là, t'as fini le niveau là? Allez! Voilà! C'est bon. Ouais, je vais pouvoir arrêter là. Ok.
Classement A. Wow. Et elle est à poil si j'ai un classement S? Non? Ça pourrait, hein? On va sauvegarder. Par contre, il n'y a pas de menu principal. Du coup, là, je vais faire... Je fais plus d'une demi-heure, là. Ouah, 37 minutes! Ouh là 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 là! 37 minutes de jeu, quand même. Bon, je lance le niveau, mais après, histoire d'avoir la cinématique, mais je me casse. Oh, quelle magnifique cinématique. This is a safe house? More like a sweatshop. It's perfect. They'll never think to look at a gym. Cool, I can work on my abs. I'll be your spotter. Johnny, I should have known you'd be here. Let's continue the reunion inside. So, tell us why these guys want to turn you into a slab jockey. I've no idea. Then we'd better call in the cops. No, you can't call the police. You holding out on us, Doc? I may have down a face surgery or two for the mob. Whose face? Have you heard of the Macabre family? Sure. They're the most hardcore mob this side of the mess. You better be straight with us, Doc. All our lives are on the line here. Wow. Allez, bon, ça c'est pour faire de... Écoutez, voilà. Quittez. Quittez, Et pendant que je quitte... Un petit frisson, chaton, pour se réveiller, là. On va se réveiller un petit peu, là. Il y avait quoi en option? Oh, il y avait le son. Oh, c'est dingue. Bon, bah voilà. Bon, bah c'est tout. Je fasse pas de bêtises. C'est bon. La puissance du frisson, mais c'est ça. J'ai fait exprès de pas le mettre. Je l'ai baissé, hein. J'ai baissé le volume. J'ai baissé le volume quand même. Parce que sinon, il aurait envoyé trop lourd, quoi. Il fallait quand même qu'on m'entende un petit peu. Et ouais, il est assez virulent et franchement, je suis bien content. Et même là, l'histoire du micro, il refonctionne. Enfin, ça, c'était une option qui a dû être cochée malencontreusement. Et là, ça marche. Donc, pas d'écho ce soir. Normalement, il n'y a pas eu d'écho. Tout le son était nickel, l'image nickel. Bah, malheureusement, c'est les jeux qui suivaient pas. Mais bon, j'ai essayé de le... Bah, le VIP, quand même, j'ai voulu un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait l'autre niveau là avec le hacking. Parce que ça me faisait suer quoi. Pour une fois que tout fonctionnait bien, le Spec Ops c'était vraiment pas génial. Au niveau du gameplay, tout ça c'était pas terrible. Graphiquement c'était pas terrible. Franchement, c'est con parce qu'il y avait du potentiel pareil dans ce jeu. Mais voilà, même bon, Metal. Medal of Honor c'était sûrement mieux. Medal of Honor était nettement mieux que ça quoi. Donc c'est dommage. VIP bah ouais c'est con aussi qu'ils aient pas fait quelque chose. Enfin voilà c'est comme un rail shooter au final. Hein. On déplace pas les personnages. Les jeux où être statique comme ça c'est un peu chiant. Donc puis je pense qu'il doit pas durer super longtemps. Je regarde un peu les images là qu'il y a derrière. Il y a des phases, ouais, il y a d'autres phases. C'est con. Donc là, la semaine prochaine, bon, j'espère qu'il y aura mieux. En parlant de la semaine prochaine, donc on retourne sur PlayStation. Qu'est-ce qu'il fait lui? On retourne sur PlayStation 2. Donc là, t'inquiète pas, chaton, il y aura du frisson. J'en mets du frisson, j'en balançais, à chaque fois que j'en serai un jeu, je balancerai, à chaque fois, voilà. Il y aura au moins deux autres frissons, hein. Je vais présenter, donc, F1-04, vous vous rappelez, j'avais fait F1-02, je crois, donc c'est pareil, c'est pas un jeu ouf, au niveau, parce que c'est développé par Sony, donc c'est pas développé par Electronic Arts, là, les fameux Formula One, là, c'est pas terrible.
Je sais que Matteo, lui, il aimerait bien ça. Et sinon, Mojo, donc c'est un jeu de réflexion. Tetris-like et compagnie, quoi. Donc ça, ça peut être trippant à voir. Apparemment, il n'a pas été très bien apprécié. Mais bon, c'est toujours mieux que ce que j'ai joué ce soir, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le programme pour, mardi prochain. Mercredi prochain, pardon. Pareil, je vous invite vraiment à revenir, à consulter mes listes de jeux PS2 si vous voulez que je stream un jeu PS2 là, dans deux semaines. Il faut me le dire, que je sache au moins dans une semaine, parce que après moi je prépare. Si vous dites ça du jour la veille pour le lendemain, sachant que je prépare OBS, tout ça, hein, toutes les petites miniatures, les petits diaporamas, les petites vidéos, tout ça, c'est moi qui prépare. Donc le temps de tout préparer, c'est de l'organisation. C'est pas long à préparer, mais faut que je m'organise de façon à ce que ça soit fait en temps et en heure. Donc c'est pour ça. Ce qui serait bien, c'est que la semaine prochaine, eh bien, vous me disiez. Quel jeu vous voudriez me voir rejouer sur PlayStation 2. Pas God of War, comme je disais hier. God of War, j'y aurais joué déjà le lundi. Donc voilà. Je sais qu'il y a encore Naruto, il y a des choses comme ça. Il y a du très bon titre en plus. Hein, donc, ça peut être l'occasion de bien s'éclater. Et c'est la PS2, mais c'est pas grave. Il y aura du frisson, comme sur Xbox. Il y aura du frisson. La PS1, c'est forever. Donc voilà, c'est tout. Bon bah je vais pas m'attarder plus longtemps, il est déjà 10h15, puis bah demain, bon, je vais pas à me lever parce que c'est en fin de matinée mon rendez-vous, mais que j'ai le temps de bien me préparer, pour être en forme, bien me réveiller, et surtout que j'espère que je vais bien dormir cette nuit, c'est ça le problème. Mais voilà, on se dit du coup à dimanche, si tout va bien, dimanche dernier, c'est vrai que j'étais crevé, j'ai pas pu faire de... Il n'avait pas fait de live de Killzone. Donc, bonne nuit à toi aussi, chaton. Merci pour ta fidélité. Merci beaucoup pour ta présence. C'était cool. Bon, j'ai pas paramétré la touche frisson sur cet écran-là. Malheureusement, c'est que pendant le jeu. Mais bon, c'est vrai que je le fasse aussi. Sur cet écran-là, ça peut pas être compliqué. Histoire d'avoir... Attends, j'ai essayé. Je trouve que ça peut marcher comme ça. J'ai essayé. On essaye. Allez, par contre là. Ça a pas l'air de marcher. Ça ne marche pas. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Bon bah c'est comme ça, tant pis. Il aurait fallu que je fasse un... Il aurait fallu que je fasse un raccourci aussi. Donc là, un frisson avant de vous dire au revoir. Je vous balance une petite page de pub aussi. Et puis, si vous l'avez, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Comme ça, ça fera des petits points. Allez, bonne fin de soirée à tous. Bonne nuit. Et puis, à dimanche. Salut.